Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Luigi's Mansion 2 HD. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. On est rendu à notre partie 6 sur ce jeu vidéo super crazy bro. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors Luigi, où veux-tu aller ton amigo? Ben la prochaine quête, j'ai pas trop le choix n'est-ce pas? Pendularium C3, tournée des hostilités. Ce fantôme antique s'est enfui avec des aiguilles dont nous avons besoin. Mais le cryptographe devrait aisément retrouver une signature paranormale aussi puissante. Ah, Luigi, te voilà! Le cryptographe a localisé le Cerebrus qui a volé les aiguilles. Sa signature paranormale est unique. Je pense qu'il s'agit d'un Cerebrus antique. Capturer un fantôme antique ouvrirait tellement de nouvelles pistes de recherche. Je compte sur toi, mon garçon. Bref, ce Cerebrus semble s'être installé dans la rotonde. Sois prudent, Luigi. Les fantômes antiques possèdent un pouvoir sans comparaison avec les fantômes ordinaires. Plus ils sont vieux, plus ils sont malins, ça nous fait un point commun. Ho, ho, ho! Bref, capture ce fantôme et récupère ses aiguilles pour moi, d'accord? Alors là, je tiens à vous dire que nous allons être un petit peu plus tranquille, relax aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, je fais beaucoup de sorties à l'extérieur avec la famille et puis j'ai un petit peu mal partout, par-ci, par-là et ouais, je suis pas en pleine forme, on peut dire ça comme ça. Mais bon, on va faire de notre mieux pour faire qu'est-ce qu'on peut. Donc on est à l'entrepôt, trouver le Cerebrus antique dans la rotonde qui se retrouve juste là, voyons donc. Ok, je suis dans la bonne pièce, mais gros problème, je sais que c'est pas par là qu'il faut passer, hein. Ouais, faut faire de quoi ici, ton amigo, mais je sais pas quoi exactement. Ah. En fait, toi, je le savais. Bien joué, Luigi, tu as réussi à atteindre la rotonde. Mais le signal du Cerebrus antique provient de l'autre côté de la pièce. Tu vas devoir trouver le moyen de traverser ce gouffre. Si j'étais toi, je me raserais la moustache et je prendrais l'ascenseur dans l'entrepôt. Ciao! Ciao! Ok, l'ascenseur dans l'entrepôt. Ouais, je sais pas c'est où pour être honnête avec vous, hein. Quelque part en bas? Puisqu'on me laisse aller là, je crois que je suis au bon endroit, n'est-ce pas? Ici? Ça n'a pas l'air d'être ici, mais attendez. Je suis sûr que je peux révéler de quoi. Non, Perino de Cappuccino, je suis au mauvais endroit, Pepito. Alors, ils ont bloqué le chemin ici. Il me semble que je pouvais aller là la dernière fois. Donc ça, c'est pas le bon chemin. Mais peut-être qu'il faut aller ici. Et là, ils ont bloqué plein de chemins avec des tonneaux, man. Oh, nice. Quoi? Même ça, c'est... Ok, non, c'est correct. Alors là, on fait ça comme ça. Je sais même pas si je me dirige vers le bon endroit pour être honnête avec vous, mais bon. Oula! J'ai envie de sauter par la fenêtre. Des fois, là, je suis trop pressé. Voilà! Perfecto! Ensuite, on va aller ici. Comme ça! Oh! Wow! Ok! Vous savez quoi? J'aurais dû lire la map depuis le début. Où est l'entrepôt? Attendez. Ah! Je dois revenir! Really, bro? Je savais qu'il fallait que je regarde la map, mais je l'ai pas fait parce que je suis trop paresseux, mais... Désolé pour ce petit contretemps. Donc, on est à l'entrepôt. L'ascenseur est ici, n'est-ce pas? Oh, ok, mais je vois ce qu'il faut faire. Let's do this. Nani? Hein? Ok, faut juste que je l'ouvre. What the hell? Martinez? Je sais pas pourquoi tu ris de moi, mais à la fin, c'est moi qui ai le dernier mot. Give me the cash, brother. Est-ce que c'est moi, il y a un billet qui est tombé? Comme... non, je vois pas d'autre billet. Ok, non, tout est guidé, en fait, quoi. Oh, ça, je peux l'amener en bas, attendez.
Est-ce que je peux faire... Tchou! Come on! Oh, je peux pas! Ah, il faut que je l'amène! Voyons donc! J'ai essayé de prendre un petit raccourci et le jeter en bas là, mais... On veut pas me laisser! Le jeu vidéo dit non, 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 Polo, t'as pas le droit de faire ça, tu dois suivre mes instructions à moi! Tu dois faire comme je le veux! C'est-à-dire, l'amener sur le ascenseur Perino comme ça, ton amigo! Et ensuite, tu descends avec! Le maudit! Et voilà! Je suis sûr qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Une gemme! Quasiment ça à 100%. Oh! Ok! Alright! Une tonne de cash! Qui dirait non à ça, voyons donc! Chambre de l'horloger. Ok. J'ai vu que je pouvais révéler quelque chose ici. Qui me dit d'aller. D'accord! Faut que je réveille d'une façon ou d'une autre, mais je sais pas comment pour être honnête avec vous. Et là, la flèche, là, il me disait d'aller où? Y'a rien ici, man! Parce que là, là, regardez, en bas. Oh! Oh! Ok, non, l'autre côté alors. Attendez, il faut que ce soit 9h. Comment, Pepito? C'est l'heure de se réveiller, Martinez! Give me that! Give me that! Give me that, bro! Pourquoi je pouvais pas le pogner tout à l'heure, voyons donc? J'ai pogné toutes les gemmes jusqu'à présent, nice! Oh god! Oh! On va jouer à Harry Potter Simulator ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yellow. Nous approchons du but, Luigi. Mais... mais il va falloir que tu atteignes l'autre côté de cette pièce. Ah! Mais bien sûr, tu peux utiliser les poutres pour traverser. Utilise R pour passer d'une poutre à l'autre. Et ne regarde pas en bas. Ouais, je l'avais remarqué, mon petit pépito, voyons donc. Tranquilo. Tranquilo. Est-ce qu'il faut vraiment que je saute? Dude? Ok, comment? Oh, comme ça! Ok, ok, ok. Voilà, j'ai presque foiré mon coup, les amis, man. Non! Fallait que je parle trop vite. Toujours comme ça avec Tonton Polo. Attends. Oh, oh, oh. Bonjour. Je suis courageux. Tranquilo. Nya, 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 nya. Prochain. L'argent est à moi. Merci, mon petit pépito. Y'a rien ici? Oh! Il croyait qu'il pouvait s'en faire le doute. Oh, on me laisse passer? Oh non, je veux revenir en arrière parce que j'ai vu. Il y avait un chemin que j'ai pas emprunté. Attendez, attendez. Je croyais que cette porte était verrouillée. Ok. Bonjour. Non, ton pas Pépito. Wouh. Ah, tout ça c'était juste pour prendre ce cash? Oh, mais pour avoir cette gemme aussi! Yo, je sens que je vais manquer 0 gemme dans ce niveau, man! Ici? Quand tu es sur le point de tomber, là, je vais sauter! Mais je suis tellement bon que je garde mon équilibre, les amis! Ok,
Ouais, à la fin, j'ai couru. Je savais même pas que je pouvais courir. Je l'ai testé juste maintenant, mais... J'aurais dû le faire depuis longtemps, les amis. Donc ça, c'est verrouillé selon le radar. La minimap en haut à droite. Ok, alright. Nani? Ah ben, mon petit gars, tu vas faire du gym aujourd'hui. Je peux pas prendre ça? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec... Non! Martinez! Non, 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 non! Oh, le petit! Come on! Non, non! Allez, viens ton frère! Je ne sais pas pourquoi il s'est révélé comme ça, le dude, man. Oh oh! Allez, viens-t'en. Oh yo! Ok, voilà. Paf! Je les connais, ces dudes-là, man. Bande de trolls. Oh yeah. Oh yeah. Rien du tout. Rien n'a révélé. Ok, alright, je crois qu'on peut aller en haut, man. Je sais pas c'est qui a cuit cette bouffe, mais arigato gozaimasu, Pepito! Oh oh! Ouais. C'est qui fait ça? Oh! Attends, il y a ri de moi! Est-ce qu'il a fait un jumpscare sans que je le sache? Aucune idée, man. Allez, viens ici. Les billets! Ok, ça a pris 10 ans pour prendre tous ces billets, hein. Et j'avais même pas compliqué la tâche. Attendez, on va faire ça comme ça. Peut-être on peut révéler de quoi. Il y a une flèche qui me dit d'aller en haut, on dirait. Yo! Attendez, c'est une fake fenêtre, cette affaire-là! Comment je peux y aller? Parce que je peux pas passer. Attendez, attendez. Oh, je vois que c'est fake, mais je peux rien faire, on dirait. Peut-être que ce sera pour plus tard, man. Là, il faut aller à droite. Et là, on essaie d'avancer, ça marche pas, d'accord. Là, il faut aller là. Oh oh! Yo, vous avez entendu cette musique? Mais ça fout les chevaux! Rien à révéler... Ok, cabot! Ah ah! Je sais pas si je fais la bonne chose pour être honnête avec vous! Oh my god! Martinez! Oula! Attendez. Wow! Oh boy! Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là, mais bon. Yo, le son ici tellement puissant, man! Mais je vais le dire le volume. Ah ah! Ok, il faut faire sortir plein de bombes en fin de compte. Ok, je comprends ce qui se passe. Tantôt là, je pouvais pas trop observer la situation. Perfecto! Money! Ok, ça c'est nice. On dirait qu'il y a un petit passage à droite, mais... Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Non! Ok! Y'a pas d'un à ça, j'avais peur qu'il me pointe ces mecs-là, man. Révéloscope. Nothing. Rien qui apparaît, ok, alright. Oh, je vois rien! Ok, si je comprends bien, faut que je joue. Oh, le maudit aime ça me faire des jumpscares, man.
Tu joues avec ça, ça devrait être Tigidou. Ok. Et ensuite ça. Mais y a rien. Y a pas de valve, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, la valve n'est pas là. D'accord, nous avons un gros problème. Peut-être faut que je révèle la valve. Lorsque c'est le moment d'utiliser un révéloscope, je le fais jamais. C'est toujours comme ça avec moi, hein. Quand je l'utilise partout, mais quand je dois faire ça maintenant, nope. Ça prend 10 ans, hein. Je sais qu'il faut que le tout se dissipe, là. À moins qu'il faut que... Oh, j'aspire le tout avec ça! Ok, ok, ok! You wanna fight, Pepito? Oh! Hey, je l'ai pas lâché, le dude! Ok, mais... Voilà! Bah! Ouh! Je m'appelle Barbourisme et les gens osent dire que je n'existe pas, tu te rends compte? Ouais, c'était nice ton affaire. Nice story, bro. Ah bah, ok, oui, tu m'as fait mal, Pepito, je l'avoue. Oh, toi, tu vas souffrir, Martinez, man. Il est pas dead? Et je sais pas comment t'as fait pour survivre à ça là, mais reviens ici, Martinez! Yo! Il était juste à côté de moi, Pepito! Là, il est dead! Yo, je me demande si ce que j'ai fait là, c'est nécessaire. Comme, est-ce que je suis sur le bon chemin ou bien j'ai fait tout ça juste pour aller chercher le bout? Non, je crois que je suis sur le bon chemin. Il y avait une clé à aller chercher aussi. Non, rien du tout. Nani? Ok. Ça va exploser et me donner du cash, c'est ça? Oh my god! Yo, pendant le sang, j'ai cru qu'il était coincé parce qu'il bougeait pas. Oh, ça va pas! Nice! Ok, attendez. Y'a rien à révéler à part ça, ok. Let's go, Nani? Ah! Hein? Ok, comme ça, je peux m'approcher plus! Ah! Ok, comment je reviens, guys? C'est plus simple que ce que je pensais. Merci beaucoup pour cette clé. Je sais même pas où je peux l'utiliser. Hey, you the cash, what? It's Spider-Man? Oh, ok, c'est bon. Oh my god, yo, on a pris tellement de détours, c'est crazy! Si seulement Luigi avait utilisé ses capacités à sauter dans, dans les autres jeux de Mario, pas besoin de faire des tours par-ci par-là, tatati tatata, on serait déjà arrivé à destination, bro. Oh! Par là? Oh! Il est parti en vacances, le clown! Trouvez le CV plus antique dans la rotonde! Et il est là! Récupérer les aiguilles! Ah, pour récupérer ça, il faut que je le détruise tout d'abord, je pense, hein! Oh, je l'ai bien détruit, lui! Martinez! Fouillant! Est-ce que je peux faire ça? Oh non, évidemment, hein! Oh my god, tu m'auras jamais, même. T'es tendu là, vite en. Bonjour! Oh, come on! Ok, je crois qu'il fallait que je fasse un double kill pour pas me faire interrompre. Là, il va refaire son affaire. Oh non!
Regardez, je l'ai pas peur, je fais juste ça comme ça. Je suis un petit peu coincé. Ok, c'est plus long que ce que je pensais. Come on. Où est-il? Voilà! Maintenant, personne ne peut m'interrompre! Voilà! Ça la prendra, Nisa, avec nous, les amis, hein? Est-ce que je peux appuyer sur ça? Ah, ok, je peux faire ça comme ça. J'aurais pu juste sauter normalement. Mais non. Mon Luigi, là, il est trop paresseux. Oh, hello. Superbe, Luigi, je savais que tu avais l'étoffe d'un héros. Tu as récupéré les aiguilles et capturé ce puissant Cérébrus antique. Bon travail! Je te ramène tout de suite. Je ne voudrais pas que ce Cérébrus t'échappe de ton Ectoblast 5000. Oh, oh, attention au départ! Oh, on va sauter! Oh, yes! Ah, yeah! I did it! I did it! Mission terminée. Oh, ça m'a pris plus de temps que ce que je pense, pour être honnête avec vous. Mais j'ai eu 3 étoiles quand même! Eh ben, je tiens à vous dire que Tonton Polo est super content, oui. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau, oui. Faut s'hydrater. En ce moment, il fait tellement chaud dehors. Si vous vous hydratez pas, là, oh, vous pouvez prendre un coup de chaleur, vous allez vous évanouir. Faites attention quand vous allez dehors, les amis. Ce Cérébrus avait beau maîtriser la télékinésie, il n'avait aucune chance face à l'Ectoblast 5000. Et bien sûr, il n'avait aucune chance face à un adversaire aussi courageux et déterminé que toi. Nouvelle gemme. Nouvelle gemme. Nouveau fantôme. Ma spectral 43. Wouhou! Nouveau bout. 1007 gold. Il m'en fallait juste 302. Pas avoir une amélioration. Pretty Martinez. Bref, voyons ces aiguilles. Nom d'un globule, tu n'as ramené que l'aiguille des minutes. Où est l'aiguille des heures, voyons donc? Est-ce qu'il est en train de me chicaner ou quoi? Bon, c'est déjà quelque chose, je suppose. Je me demande vraiment où peut être l'aiguille qui nous manque. Je vais devoir mettre au point un plan pour retrouver l'aiguille des heures. En attendant, tu devrais en profiter pour aller prendre une douche. Ah, Nani? Tout le monde t'en sera très reconnaissant, crois-moi. Ce gars-là, il va être un vrai troll, man. C4, la chasse continue. Bien, nous avons trouvé l'aiguille des minutes. Il nous reste à mettre la main sur celle des heures. D'après mes calculs, il faut chercher du côté de la cour du Pendularium. Ah, Luigi, j'ai justement une mission pour toi. Je suppose que tu t'en doutais puisque tu es venu me parler. Non, je suis resté là depuis le début, bro. À moins que ce ne soit juste pour faire la conversation, tu t'ennuies ici? Bref, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à retrouver la trace de l'aiguille des heures. L'octographe ne peut la trouver directement, il ne détecte que les éléments paranormaux. Oh, attends, et il ne... Ah, il se trouve que j'ai relevé de faibles signaux paranormaux dans la cour du Pendularium. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut bien commencer quelque part. Tu es prêt, Luigi? Télépixelisation imminente! Est-ce que vous avez vu Luigi? En fait, pourquoi est-ce que tu te recroqueville? J'ai toujours du mal à dire ce mot. Recroqueville! Depuis à chaque fois que je te télépixelise, il n'y a aucun risque. Tu as déjà fait ça des dizaines de fois et tout s'est toujours bien passé. Bref, cette fois, c'est parti. J'espère que tu as compris que tu n'avais absolument aucune raison d'avoir peur. Faut-il Luigi là? Il va toujours capoter. Oubliez ça. Mais c'est pas ça qu'on aime. Il est pas dans des aventures en étant un petit peureux. Il est courageux. Ok, c'était contradictoire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oh! Scary! Où sont les fantômes? Ah, ils sont là. Oh!
Je ne sais pas comment t'as mangé ça et que je ne bois plus, mais t'es transparent, non? Ok, alright, c'est bon. Bon, on va chasser le chien. Non, tu ne le trouveras pas. Hein? Attends, non, je vois qu'ils ont des vies à l'infini, alors peut-être il faut que je fasse ça au max. Hein? Peut-être que... Ah, attends, lui, il y a des vies. Ok, ça là, c'était bizarre. Bon, où es-tu le petit chien? Où es-tu mon petit bonhomme? Oh, t'es parti de l'autre côté, petit chien? Mais c'est pas grave, je vais te trouver, petit tigu. Oh, je vois. Oh, tu m'as montré où est le cache. Arigato gozaimasu. Hein? Les pattes ne sont pas là. Attendez. Oh, what the... Ok, c'est bon. Oh, t'es allé là-dedans. Faut qu'il joue avec ça. Là, il est parti en haut. Ah, il est parti en haut, je le vois. Gros problème. Comment je vais en haut? Je vois un escalier. Je crois que je peux y aller par là, hein? Comme ça ici? Ah, voilà l'escalier. Oh! Il me semble qu'il y a un piège ici qui me fait tomber. Je suis dans la bonne pièce? Oh, je voulais pas tomber, mon ami, man. Non, en fait, c'est ici la bonne pièce. Ok. Oh, il est tellement cute. Ok, il y a de l'autre côté. Il faut jouer avec ça. Oh, come on, bro. Ah, ok, c'est bon, je vais le faire au complet. Et on court! Par là. Ok. Oh my god, il est parti loin, le doute. Viens ici! Voilà! Il faut juste le faire trois fois en tout, je pense. Attends. Ow! Oh le brother, il m'a bien punché, man! Et en fait, toi, c'est deux fois. Oh, mon papa, Ghostbusters, crazy boy pour rien, hein? Oh, come on, petit chien chaud! Attends, voilà. Wouhou! Le petit docteur, là! Ben, plutôt le petit scientifique. Il va aimer le fait que j'ai absorbé tout ça, oui? Attends, il est quelque part ici ou quoi? Ah, là-dedans! Mais il est tellement cute, ce chien! Oh! Tu veux jouer à ça? Je cours, man, je n'ai pas peur! N'aie pas peur, Luigi, n'aie pas peur! Oh! Yo, j'ai beaucoup d'expérience maintenant! Pardon! Ouais, je sais pas pourquoi je regarde ça là, mais bon. Ah, y'a l'air là-dedans, ok, je l'ai vu! Ah, ici? Oh non! T'es allé? Attends!
Oh, par là, d'accord, d'accord, d'accord. Petit niaiseux. Et Nani? Excusez-moi, je l'ai vu tout figé. Je vais te sauver avec ton chien. Eh? Oh, come on. Oh, t'as amené des poulies? Tu crois que j'ai peur de vous? Oh non! Ah! C'est correct, c'est correct. Ah non, c'est pas correct du tout. J'ai fait un triple kill. Oh, come on! Attendez. Bah! Come on, come on! Pourquoi tu fais ça? Pas de grimace dans la cabane, man! Hey, je peux pas l'absorber! Je sais même pas si... Ah, ok, j'ai enfin brisé son shield, man! Wouh! Maintenant, personne n'aura le chien. Il est à moi, le petit Martinez. Ok, compris. Oh, come on! Yo, je dois toujours reprendre le même chemin à longueur de journée comme tout à l'heure, man. Ok. Je crois qu'il est comme ça, c'est Guidou. Là, on fait... attendez. Ça, comme ça, voilà, pardon. Il se trompe le bouton. Mais. Et là, j'ai complètement oublié d'ouvrir le coffre. J'aurais dû juste partir. Avancer. Oh non, il va me troll le dude. Je sens qu'il faut que j'aille là. On fait pas venir ici pour qu'il... Hein? J'ai quasiment ça à 100%, on fait pas venir ici pour aucune raison. Attendez, on va faire ça comme ça. Et là, on absorbe tout. Et là, peut-être on peut sortir et puis ça va faire de quoi. On sait jamais, hein. Attendez. Il est parti à droite encore. Regardez. Oh, come on. Ok, il fallait vraiment que je le chasse. Attendez. Ah! Comme moi, je croyais que le chien, il voulait aller dans la pièce où il y avait plein de gaz. Alors, c'est pour ça que j'ai tout absorbé. Mais on dirait que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Tout doux. Nani! Ok. Je croyais qu'il fallait que je l'attrape. Mais on dirait qu'il faut que je l'absorbe. C'est bon. Maintenant, je suis en train de me demander. Est-ce que... je l'absorbe direct ou bien je le stun? Je crois qu'il faut le stun, hein? Ouais, sûrement. Ok, ma bad. On va le faire. Hein? Hein? Nani! Oh! Ok! Là, je suis confus! Attendez! Ah! Faut que je l'attrape cette fois-ci! J'ai... Ah, ok. Parce que vous savez, depuis le début du jeu, là, on le chasse. Je croyais que je devais continuer à chasser jusqu'à ce que le chien, il me donne, la, comme l'aiguille, de façon volontaire. Mais non, il fallait juste le poignet. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que j'aurais pu le poignet depuis longtemps? Non, hein, non. Avoir su qu'il fallait faire ça, je suis vraiment désolé pour le contre-temps, les amis. Oh my god, man. Suivez la piste avec ton chien et de l'aiguille. On a réussi notre coup.
Bien joué, Luigi. En fait, cet ectochien nous a rendu service en subtilisant l'aiguille des heures. Je te ramène tout de suite. J'espère que tu es prêt. Ciao. Ciao. J'aurais pu terminer ça tellement plus rapidement, mais... Je m'attendais pas à ça, des amis, mais... 9 minutes 27, OK? Dans mon 3 étoiles, please. Pourquoi t'es fier, Luigi? Je suis pas du tout fier de toi, mais... Je voulais 3 étoiles. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé le bout, alors c'est pas grave. Ah, ça fait du bien, pour vrai. Content de te revoir, mon garçon. Encore une fois, tu as fait du bon travail. Ah, on dirait que mon heure est arrivée. Je veux dire, mon aiguille des arts. Ah, une chance que tu t'es pas fait jinx, bro. Ah, au moins, elle n'a pas été mâchouillée par l'ectochien. Bien, tu connais la chanson, mon garçon. Il est temps d'envoyer ces fantômes dans la chambre forte. All right! 154, go! Bam! J'ai passé mon temps à chasser le chien que... Évidemment qu'on peut pas le contenir. Je crois qu'on va toujours le voir dans chaque monde, chaque niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Nom d'un ectochien! Encore! Ce n'est pas possible! Je ne comprends pas comment il peut s'échapper de l'ectoblast 5000! Bref, nous avons des problèmes plus pressants. Nous manque encore un élément du mécanisme permettant d'entrer dans la tour de l'horloge, le rotor. C'est une pièce indispensable pour faire tourner les aiguilles et ouvrir l'accès à la tour de l'horloge. Il va me falloir un peu de temps pour le localiser. Tu peux disposer, mon garçon. Je vais juste rester à côté de lui. Non, je ne peux pas. Je ne me suis peut-être pas exprimé assez clairement. Je vais essayer de simplifier mon propos. Faites l'air! Ouais, faites l'air et je regarde la télé avec lui. OK, c'est bon. La dernière pièce à C5. Il nous manque un dernier élément pour réparer l'accès à la tour de l'horloge et je crois savoir le trouver. Ah, Luigi! Maintenant que nous avons les deux aiguilles, il ne nous manque plus que le rotor. Ensuite, nous pourrons activer le mécanisme d'accès à la tour de l'horloge. L'occultographe indique toujours que le fragment de la lune noire se trouve au sommet de la tour. Mais pour combien de temps encore? Nous devons agir vite, mon garçon. Il se trouve que j'ai détecté une forte activité spectrale dans l'aile est du pendularium. J'ai parié que c'est là que les fantômes ont caché le rotor. Les fantômes ont verrouillé l'accès à cette zone, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Il y a un autre électrocellisateur dans cette zone. Je n'ai qu'à paramétrer cette destination pour t'y envoyer. Les fantômes ne s'y attendent sûrement pas. Tu bénéficieras d'un bel effet de surprise. Voilà à quoi ressemble le rotor. Je compte sur toi pour le retrouver. J'en ai vu plein partout, man. Bonne chance, mon garçon. Ouais, je me promène par-ci, par-là. J'en ai vu à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. Comment je sais c'est lequel le bon? J'ai aucune idée, man. Maintenant, j'ai une petite idée. Pourquoi il est parti en vacances? Oh oh. Pour chasser le fantôme et récupérer le rotor. L'effet de surprise là, ça va pas du tout marcher, hein, les amis. Oh god! Est-ce que j'ai fait la pire erreur de ma vie? Oh oh, j'ai vu quelque chose. Oh oh! Ok, comment je prends ça? Faut que je m'envole quoi? Je vois une craque? Attendez. Mais le révéloscope ne révèle pas de pont ou quoi que ce soit. Ah, je voulais toutes les gemmes, les amis! Attendez, ici? Y a rien? Ça sert à rien? Peut-être que si je fais le tour, ça va marcher. Ouais, je suis sûr à 100% ça va marcher si je fais le tour.
Ok, c'est le bon chemin. Mais ne reste pas planté là, Luigi, attrape-le! Il laisse tout le monde s'enfuir, le dude! Ok. On va regarder un film. Oh! Oh! Oh non! On s'est fait pogner! Non, de Globule, tu dois vite trouver le moyen d'entrer dans la remise. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû y penser avant. Récemment, j'ai envoyé un de mes assistants dans le pendularium. J'avais demandé de surveiller les lieux. Si tu vas le voir, il pourra sans doute t'aider. Je vais essayer de le localiser. D'après son dernier rapport, il vérifiait une anomalie dans la salle de synchronisation. J'ai honte de le dire, mais je l'avais totalement oublié celui-là. Je suis vraiment un patron exécrable. Il faut dire que je n'aime pas beaucoup donner des ordres. Bref, Luigi, va le chercher et fais vite, d'accord? Ouais, en plus, je suis sûr que tu les payes même pas, man. Pauvre! Pauvre ces petits tontes! Oh my god! Yo, je me sens comme dans Mario Party où je joue à un jeu vidéo et à la fin, bam, on me donne une tonne de cash. Ok, je peux pas aller là. Oh! Ok! Et ça sert à quoi? Oh, attendez! Évidemment que je peux rien faire avec ça, man. Si. Oh! J'avais pas vu ça! Ça, ça fait peur, bro! Nani! Oh, oh, oh! Oh, je peux prendre ces pièces aussi? Oh non, j'ai failli mon coup! Attendez, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux aller là? Oh non! Oh, mon âme est prise. Ok, laissez-moi recommencer. Oh, come on! J'avais vu le bon chemin à la fin. Oh! Je vais revenir ici hors vidéo pour le faire, c'est correct, pas de problème, amigo. Venez ici. Ouvrez cette porte, Reno. Oh non, on descend de plus en plus. Cash! Money, money, money! Oh! Yes! Grâce à ça, j'aurai une amélioration après. Non! Ah, c'est simple, ok. Ok. Là, il faut que je déroule ça. Et là, je fais quoi avec... Oh! Ce sera pour plus tard, je pense, non? En fait, c'est pour maintenant. Je crois qu'il faut sauter dans le vide. Ah, non. Oh, oh, révéloscope. J'avais vu comme la petite porte, mais... Je croyais que je pouvais entrer comme... Aïe, je peux pas bouger. Ok, voilà. Nani! Attendez. Cette fois-ci, là, je vais pas me faire avoir, c'est bon. Tranquille. Voilà. Pendant un instant, je pouvais pas bouger parce que j'ai utilisé mon aspirateur, ça. Ça l'a fait dépliant. Wouhou! Oh! Est-ce que je l'ai eu? Non! Mon cash! On va aller en bas. Oh god! Non! Wouh! Oh, il y en a le cash, nice! Ok, je suis tombé dans le vide, je l'avoue. Mais je sais pas quoi faire ici. Je crois que c'est pas pour l'instant.
J'ai vu de l'argent ici, nice. Attends, révéloscope. Rien à faire. Ah, je peux pas y aller. Ok, c'est bon. Donc, il faut vraiment faire de quoi ici? Attends, révéloscope. Oh! Je vous avais dit, je touche toujours le révéloscope quand j'ai pas besoin de le faire. Et quand j'ai besoin, je l'oublie toujours. Est-ce que je peux y aller? Oh oh! Non? Oui! Oh non! Parce que moi, c'est moi où il y a des billets qui sont tombés à terre. Ah, qu'est-ce que je fais là, les amis? Je crois pas que je puisse faire quoi que ce soit ici, non? Je peux tomber. Non, je peux même pas tomber, ok. Venez ici, ça sert à rien. Alors, il faut que je passe par là. Que je revienne en haut. Attends, pas par là. C'est un vrai poison cet endroit. Et attendez, est-ce que c'est moi ou il y a une craque ici? Ah, je peux rien faire. C'est bon. Allez. Est-ce que je peux y aller, guys? Ah ah! Ok. Il y a sûrement de quoi. Eh, hey, c'est quoi? C'est quoi ça? Oh! Révéloscope. Voilà. Je croyais qu'il pouvait s'enfuir, le petit rat. Les gens m'appellent Bourri. Il paraît que j'ai une tête de mule. C'est n'importe quoi. Ouais, ces gars-là, ils aiment ça faire des monologues, hein. Mais un petit lui dit comme, je m'en fous de ce que vous dites. Tout ce que je veux, c'est votre cash que vous cachez dans votre ventre. Yo, pour vrai, ça doit faire mal, Pépito. Yo, come on, mon petit sou. Chaque sou compte. Come on. Ok, laissez faire, man. Aïe, aïe, aïe. Quitte. Ça, c'est correct. Merci, Martinez. Oh yeah! Là, je peux partir. Comme ça! Et vous êtes prêts à fight, guys? Oh non! Je voulais faire un double kill! Bah. Oh my god, guys! Ils sont allés au gym là, mais ils sont pas puissants ces mecs là, hein, quand j'y pense. Oh oh! Y'a plus, ils étaient en train de jouer au darts! Hey boy, ok. Ouais, pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Fouillons. Nice. Et j'ai quand même entendu un boubou. Nani? Ici? Ah. Un petit os pour moi avec ton chien. Oh, you, il est tellement cute. Ok, maintenant avec cette clé, je sais où l'utiliser. Mais est-ce que je peux prendre un raccourci? Et c'est tout. Nice. Ici? Révéloscope. Y a rien qui se passe. Ok, je crois que je dois partir, hein? Ce train prend du temps à arriver à destination, bro. Ok, nice. Où? Yo, depuis tantôt, j'écoute cette musique là, c'est terrifiant quand même. Hey! Est-ce que je suis au bon endroit? Oh! My bad! La porte, on la voyait pas, fallait regarder la minimap. Oh mon dieu! Ouais.
Ok, ça se voit, on peut me donner de l'argent. Merci beaucoup. Oh, regardez-moi tout ce cash. Ok, faut que je prenne ça. Yo, j'étais sur le cash, je comprends pas pourquoi j'ai pas pu la mettre dans ma poche magique. Ok. Attendez, le sable, je peux pas l'absorber, alors il y a un révéloscope à utiliser. Non, ok, c'est bon. Ici, bouton, non. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, si on regarde en haut... Rien. Le radar dit que... Oh, oh. Ah! J'ai essayé d'utiliser mon aspirateur sans ça, je sais pas pourquoi. Ah! Ah, ça fait mal! Oh! Ça fait quelque chose, cette affaire-là? Faut que je mette un objet dessus. Compris. Ok. Mon petit toad, ne t'en fais pas. Je peux pas y aller. Bon ben, on va essayer de faire ça de loin. Ça ne marche pas trop. D'accord. Alors, est-ce que je peux jouer avec ça? Et la révéloscope? Ça c'était quand même assez évident, hein? Venez ici, guys! Là, ok, ça on va faire ça comme ça. Ça, comme ça, ça doit être Tigidou. Plap! Taudis jaune! Je me demande s'il était conscient dans le tableau. Monsieur Luigi, c'est bien vous? Ah! Pardon, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Vous êtes mon idole. Pourquoi? Comment? Le professeur vous a envoyé ici pour me sauver? Moi qui croyais qu'il m'avait oublié. Oh, vous cherchez à accéder à la remise? Eh bien oui, je peux peut-être vous aider. Mais avant, il faut que je vous avoue quelque chose. Je souffre d'une pathologie un peu particulière. J'ai la phobie des horloges. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Pas vous, je ne le supporterai pas. Monsieur Luigi, est-ce que vous pouvez me protéger des horloges et des engrenages? Viens ici, ne t'en fais pas. I got you. Ok, c'est bon. Give me the cash! T'as pas peur des araignées géantes, toi? Ok, mais maintenant que... j'ai ces pépitos, je suis supposé faire quoi? Attendez, je crois que je peux juste y aller, hein? Oh, come on! Où êtes-vous? Ne t'en fais pas! I got you! Voilà! Le chien est pété! Oh, je pouvais juste continuer à les attaquer comme ça! C'est légal, cette affaire-là? Ok. C'est bon. Et là, si je vais là... y'a rien qui se passe. Ok. Il faut calmer le dude. Calmos, amigo. Là, il est calme, hein? Ok, là, il faut faire quoi? Oh, prendre le toad et le mettre là. Attendez. Allez, viens. Oui, appuie le bouton, bro. Comme ça, viens ici, fais ça. Mais là, il faut faire quoi? Envoyer le toad là-bas? Comme non, ne le fais pas! Ne le fais pas! Il voulait pas venir avec moi. Oh non! Sauvez le Toad! Oh, come on, bro! Oh, pas de double kill. Ok, alright. T'es correct, Martinez? Ok, on peut y aller? Aïe, 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 aïe. Alors, je suis supposé aller où maintenant? Ici? Oh oh!
Attendez, est-ce que je dois aller là? Oh, monsieur Luigi, nous ne pouvons pas aller par là, je vous en supplie. Si on continue, je vais finir en soupe de champignons, c'est inévitable. Il y a des rouages énormes là-dedans, c'est absolument insupportable. Ok, on va te ramener à la maison, mon petit frère, là, c'est correct. Ah, vous savez quoi, je vais même pas jouer avec lui. Et bye bye! Ok, le bureau, il est vraiment dead, hein? Okay, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes prêts? Comme ça. Comme ça! Oh non! Oh, pourquoi vous faites ça? Paf! Non? Oh, come on. Oh non, non, non! Ok, attendez. Hey! Oh my god, t'es pas là, c'est dur à viser avec ça, oui? Ah! What the hell? Ok, ah! Oh. Ah, mais je suis quasiment sûr à 100%, y a une gemme! Oh, come on! Ok, attendez, attendez, puisque je suis là, là. Ici? Come on, guys! J'aime regarder ça! Je savais! Mais là, j'en ai manqué deux, je pense. Ah, je le savais aussi, ça se voyait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis prêt à me battre, guys. Bah! Non, je vais pas tomber! Ne t'en fais pas, mon titan! J'arrive, mais c'était complètement inutile! Je ne vais pas t'abandonner, je suis un super-héros! Nani? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est là, le Toad! Ok, attendez, comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Fallait qu'il soit plus proche. Ok, c'est bon. Oh my. Allez, viens t'en. Non, 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 non! Je viens de voir l'araignée en or! Quoi? Ne t'en fais pas! Le perreux va protéger l'autre perreux! Ouais, il est coincé de l'autre côté, ça. Ça va bien, notre affaire. Oh my god! Watch out! Ah, je voulais en pogner plusieurs en même temps! Je peux le faire! Watch out! J'ai détruit tous tes pions, Martino! Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ah, t'es caché. Ok, alright. Wow! Wow! Oh, ces becs là, là, ils sont crazy! Ok. Bouge! Ah, bah, 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 bah! Non! Faut pas avoir peur, mon petit Toad! I got you! Oh oh oh! Paf! Non! Oh, j'ai pas le choix de faire ça, là! Oh! Attends, je vais essayer d'avoir tu poker, ça va être plus simple. Paf! Ah, d'abord! Non, non! Tcha! Oh, c'est long cette fight, man! Nice, nice, nice! Ok, là c'est fait, man! Oh boy! Oh, j'ai tellement de cash! Oh, come on! Oh, c'est quoi cette fight? Tombe à terre! Attendez! Tombez à terre, Martinez! Ils se sont cognés! Ok!
Ici. Oh, come on! J'avais pas le temps. Ici. OK. Come on! Ah! Bah, 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 bah. Oh, je vous jure, c'est compliqué, man! Comme ça! Dans le dos, je vais l'absorber en attendant. Et c'est terminé parce que je vais absorber ce dude. Et lui aussi. Allez, viens ici. Viens ici, Martinez. Ok, alors ici. Voilà. Justement, en train de me concentrer, là, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, pourquoi il a capturé mon Toad, man? C'est quoi son problème? Ow! Ici! Blah! Je vais vous avoir, je vais vous avoir! Wouh! Oh, cette fight était... Oh, mon argent! Mon argent! Hello. Bon travail, Luigi! Tu as donné une bonne leçon à ce fantôme! Mais je suis perplexe. Il avait l'air différent des autres. Bref, espérons qu'il n'a pas trop bien caché son retard, mettant vite à sa recherche. Ciao. Ciao. Ok, yo, mon petit Toad. You okay, bro? Calmos. Maintenant, viens ici. Hey, je vois que le Toad, il bouge pas. Oh non. Faut que j'aille le chercher. Ok, 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 j'ai compris, j'ai compris. Hey, Nani! Ok! Oh, ok, ok, c'est bon. Je suis vraiment désolé d'être parti sans t'attendre. Je savais, t'es un petit chien. Il faut que je prenne soin de toi. Oh, du du. Oh, t'étais mon cute, mon petit Toad. Comme ça. Regardez ça! Il est tout cute! Maintenant, on va aller le mettre ici, je pense. Non, hein? Ah! Ici! Attendez. J'essaie de bien viser. Pas besoin de bien viser quand on peut juste faire ça comme ça. Yahoo! Maintenant que j'ai plus besoin de toi, je m'en vais sans toi, bye bye. Nah, je suis pas aussi méchant que ça, les amis. Je suis un tout petit peu méchant, mais pas trop. Ah, je vois que je peux aller en haut. Je vois le rouage. Comment j'y vais? Hein? What the hell? Rien à révéler, ok? Oh damn, cet argent était insane! Peut-être qu'il faut que j'aille en haut? Attends, y a sûrement de quoi? Parce que là, là... Non, je vois pas d'escalier. J'ai essayé de trouver un escalier et quoi que ce soit, ça marche pas. Bon, si c'est comme ça, va le chercher, mon petit Toad. Je voulais pas le faire là, mais. What the hell? Hey! Fallait juste reculer un peu, c'est correct. Ba-ba-ba-ba! Yeah! Je me suis bien servi de lui! Ah! J'arrive pas à croire que j'ai touché ce retard d'horloge. Je ne me sens pas très bien. Maintenant que vous avez ce que vous voulez, pouvez-vous me ramener jusqu'à l'ascenseur de service? Il y a un écran de télépixelisation tout près. J'ai hâte de pouvoir enfin quitter cet endroit horrible! I got you, bro! Pour chasser le fantôme et récupérer le retard. C'est fait. Mais là, je crois qu'il va me... Il va me suivre, hein? Je peux le lâcher. Viens ici! Ah, oh, come on! Ce gars-là est totalement inutile à moins que je le pointe vers la bonne direction. Prat! Ça fait du bien, non? Come on! Come on! Salle du balancier. T'es correct, frère? T'es correct? Toi, t'as l'air coincé, Martino. Aïe, aïe, aïe. Faut vraiment que je l'amène partout comme ça. Hey. Come on. Come on.
Oh! Ah! Va chercher ça pour moi! Non! Oh le maudit! Ok, attendez. Ici comme ça. Yes! Hein? Ça fait pas partie des deux pièces que j'ai pas pognées? Comme les deux jeunes? Hein? Ok, ok. Alright. Les deux jeunes se retrouvent sûrement dans ce niveau-là, mais... Je sais pas où exactement. Ok, regarde. Comme ça. Ok, il était positionné tantôt, mais... Ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Bye bye. Le tuto n'y a pas peur de se faire télépixeliser, mais moi j'ai peur, je comprends pas encore, bon. Mon cher Luigi, je te suis très reconnaissant d'avoir sauvé mon assistant, merci. Il est impatient de retrouver son ami que tu as ramené des tours des détours. Si j'ai bien compris, tu as récupéré le retard. Quelle efficacité! Tu as mérité un peu de repos, prépare-toi pour le voyage. Oh yes! Yeah! I did it! Mission terminée! Je prenais plus de cash, mais juste 2 étoiles. Sûrement parce que je me suis fait toucher trop de fois. Et j'ai pas terminé le niveau assez rapidement. Ok! C'est bon, c'est bon! Ah, ça va du bien! Excellent travail, mon garçon! Nouvelle gemme! Nouvelle gemme! Nouveau fantôme! Nouveau bout! Butin! J'en ai une tonne! Il en faut 10 000 de plus pour la prochaine amélioration! Oh god! Ok, niveau 3! Nice! Le système de refroidissement du révéloscope a atteint sa capacité maximum. Les fantômes n'auront plus aucun endroit où se cacher. Ça coûte cher ces affaires-là. Ce mec-là est en train de m'arnaquer, évidemment. Le qui fait peur que tu as capturé semble plus puissant que ses congénères. C'est peut-être lié aux marques étranges visibles sur son corps. Bref, merci aussi d'avoir sauvé mon assistante. Il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé enfermé dans un tableau, pas plus que son collègue. Il se souvient seulement d'avoir été poursuivi par des bouts et d'avoir perdu connaissance. En tout cas, il était ravi d'avoir pu t'aider et il n'arrêtait pas de s'en vanter. Mais le véritable héros, c'est toi, Luigi. Tu as retrouvé le retard qui nous manquait. Yes. Non, non, garde-le. Tu en auras besoin pour ta prochaine mission. Ah, je le mets dans ma poche magique. Et oui, nous allons enfin pouvoir ouvrir l'accès à la tour de l'horloge et grimper à son sommet. Cependant, il nous reste une chose importante à faire avant de t'envoyer là-bas. Mon assistant nous a rapporté une image tridimensionnelle, please, par mon système de surveillance. Elle a été prise il y a peu de temps. Je vais la décrypter tout de suite. Nous la regarderons ensemble quand ce sera prêt. Ah! Mon Luigi reste là, planté à rien faire, là, il attend tranquille, relax. Ouais, oh non. Alors, nous serons rendus au boss, c'est ça? Oui, confrontation alors. Les amis, on va continuer notre aventure la prochaine fois, comme vous le savez bien sûr. C'est le fun, oui! Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de trucs et on a assisté à une fight tellement longue que je sais pas comment j'ai survécu. C'était insane, man. Wouhou! Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur les réseaux sociaux, bla bla. Thank you, vous dites moi, tu fais de support ton amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!